Bonjour, je suis Stéphane Grégoire, le doyen de l'École d'économie de Toulouse, et je vais vous présenter le parcours économie en L1. Le parcours économie est un nouveau parcours mis en place en 2021-2022 pour répondre à la réforme du baccalauréat. L'École d'économie offre 5 parcours aux étudiants bacheliers ou en réorientation. Nous parlerons ici uniquement du parcours économie, qui est un parcours non sélectif. À qui s'adresse ce parcours? Les personnes intéressées par l'économie souhaitent comprendre le fonctionnement du monde moderne, comprendre comment les différents acteurs économiques, que sont les ménages, les entreprises et les pays, prennent leurs décisions et comment ceci résulte en une situation générale économique d'un pays, d'une société. L'objet de la formation est ici d'expliquer et de faire comprendre comment ces décisions se prennent, mais aussi quels sont les moyens qui sont à la disposition des États, des associations, pour modifier ces comportements et amener à une situation préférable en termes de répartition des richesses ou en termes de prise en compte des conséquences des actes des personnes sur leur environnement ou sur le fonctionnement général de la société. Être économiste, c'est avoir un intérêt dans les mécanismes économiques. Mais les mécanismes économiques s'inscrivent dans une société, dans un ensemble institutionnel et sont mis en œuvre par des agents privés. Ceci veut dire qu'il faut être curieux de tout un ensemble des sciences, tout un ensemble de sciences sociales, que ce soit de la psychologie, mais aussi de la sociologie et aussi un peu en droit. Donc tout ceci donne un environnement. Et il est complété par un souci de confronter les raisonnements aux données, de quantifier les assertions qui sont issues de la théorie économique, et ceci se fera au travers des mathématiques et des méthodes quantitatives mathématisées. Donc les mathématiques, pour un économiste, c'est avant tout un langage qui lui permet de produire des raisonnements complexes alors qu'il y a beaucoup d'individus qui interagissent entre eux, et de confronter les théories aux faits en allant chercher des données et des méthodes quantitatives de type statistique. Le nouveau programme de baccalauréat fait qu'il est difficile de donner des informations sur les chances de succès des différentes personnes suivant les enseignements qu'elles ont suivis. Ce qu'on peut dire, c'est que sur le passé, les personnes qui venaient d'un bac S avaient un taux de succès en première année d'environ 65% et les personnes qui venaient d'un bac ES avaient un taux de succès d'environ 35%. Ceci nous a amené à produire ce petit tableau qui, sur la base de notre expérience, donne les recommandations du corps professoral pour le choix des différents enseignements de spécialité en terminale, et un tableau suivant parlera des options. Le parcours économie se trouve au centre de ce tableau. Et comme vous le voyez, les mathématiques, l'enseignement de spécialité mathématique est fortement recommandé. De même, l'enseignement de spécialité en sciences économiques et sociales est adapté, en sens où il vous permet de découvrir les concepts et le mode de raisonnement des économistes, mais il sera repris principalement lors des cours d'économie, lors de la L1 et de la L2. De la même façon, enfin, les langues vivantes en anglais sont recommandées, simplement parce que la formation en master de l'école est partiellement ou intégralement donnée en anglais. Si l'on regarde maintenant les options de terminale, vous voyez que pour le parcours économie, si la spécialité mathématique n'a pas été choisie, il est fortement recommandé, voire requis, de prendre l'option mathématique complémentaire. À la différence du parcours économie-gestion dans lequel il y aura un volume de rappel et de mise à niveau en mathématiques, le parcours économie supposera que le niveau en mathématiques est maîtrisé. Que fait un économiste? L'économie est la science de la gestion des ressources rares. Donc, en général, il essaiera de trouver une allocation efficace de ressources, que ce soit de l'emploi, que ce soit des matières premières, pour produire quelque chose, pour faire émerger un équilibre sur un ensemble de produits. Il peut aussi concevoir et évaluer la mise en œuvre d'une réforme ou d'un changement d'organisation ou d'un processus de production, c'est-à-dire regarder comment cela se passait précédemment,
mettre en place la réforme et regarder comment cela se passe après la réforme. Et donc de pouvoir mesurer si c'est un impact bénéfique ou négatif. Il peut aussi évaluer quelles sont les opportunités, en particulier en termes d'investissement. Est-ce que c'est un produit dans lequel il faut investir? Est-ce que c'est une maison qu'il faut acheter? Est-ce que c'est une machine-outil qu'il faut mettre en place compte tenu de l'environnement, de la nature de la demande, de la nature de l'évolution des prix et de la concurrence sur ce produit? Il peut aussi offrir un cadre de réflexion sur la régulation des ressources des biens communs, tels que l'eau, tels que les ondes radio ou toute autre forme de bien commun partagé par la société. Et enfin, il peut, de façon générale, aider à la décision en modélisant des situations, en modélisant des processus de production, en modélisant des demandes de produits. Il peut, à l'aide de la statistique et de l'économétrie, quantifier des effets, donc il peut faire des prévisions, et il peut faire des simulations d'un impact ou d'une modification d'un environnement. Et donc, il peut aider à la prise de décision. Quels sont les métiers qui correspondent à ces fonctions? Bien, ces métiers sont présents dans tous les secteurs de l'économie. Dans le secteur privé, vous trouverez des économistes dans les cabinets de conseil. Ils aideront les entreprises à améliorer leur modèle économique, à construire leur stratégie de long terme sur les choix et les investissements, les modes de fonctionnement qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Mais vous en aurez aussi dans les grands groupes industriels ou services, que ce soit Google ou Engie ou Total ou LinkedIn, vous trouverez des économistes à différents endroits dans ces entreprises pour aider au développement de ces entreprises, à leur mission. Dans les banques et les assurances, vous trouverez un grand nombre d'économistes pour aider à la prise de décision et au développement de la stratégie. Et enfin, dans des petites nouvelles entreprises, des start-up. En général, ces start-up reposent sur des nouveaux modèles économiques et donc il faut des économistes pour les aider à modéliser, comprendre, donner tous les bons inputs de la prise de décision au développement de ces nouvelles entreprises. Dans le secteur public, vous trouverez des économistes, que ce soit dans les ministères, au ministère de l'économie bien entendu, mais dans d'autres ministères, affaires sociales ou autres, dans des administrations internationales, dans des agences de régulation, des autorités de la concurrence, dans des organisations non gouvernementales, la Banque Centrale Européenne, la Banque Mondiale, le FMI. Et enfin, il y a des carrières pour des enseignants-chercheurs ou pour des chercheurs en économie dans des universités françaises ou étrangères ou au CNRS. Le cursus que nous offrons est un cursus en 5 ans qui se décompose en 2 étapes. Une première étape correspond à un cycle pluridisciplinaire préparatoire qui correspond aux 2 premières années de licence, la L1 et la L2 en économie. À l'issue de cette L2, vous avez la possibilité d'entrer dans l'école d'économie pour un cycle de 3 ans qui se décompose donc en une 3e année de licence économique, mais son accès est sélectif, donc cela sera fonction de vos résultats en 1ère et 2e année de licence, et de poursuivre dans un cycle de master en 2 ans. Ce cycle de master intègre une préparation à l'entrée sur le marché du travail à travers des stages obligatoires, mais aussi des cours de professional development, des séances de coaching et autres. Les masters de l'école se décomposent en 2 sous-groupes. Un sous-groupe qui porte le nom de parcours standard, qui est enseigné en français et en anglais et qui offre un certain nombre de spécialisations, qui sont listés sur ce slide, et puis un parcours international où tous les enseignements sont en anglais. C'est un parcours ouvert à l'accès pour tous les étudiants étrangers et qui est payant. Les spécialisations de ce parcours sont différentes et portent sur à la fois des champs disciplinaires, des champs tels que l'organisation industrielle, tels que l'écologie et l'économie, ou sur des aspects plus méthodologiques, comme les méthodologies économétriques, les data science for the social sciences, ou les mathématiques, donc tout ce qui va être jeu dynamique, jeu de stratégie et optimisation dans ce cadre, pour amener à des décisions économiques assises sur des données complexes, genre big data ou autre. Quel sera le programme de ces premières années du cycle préparatoire? En première année, la semaine de cours correspond à peu près à 21 à 24 heures de cours ou de TD par semaine.
Et les enseignements se décomposent en microéconomie, macroéconomie, mathématiques et analyse de données. L'anglais est encore un enseignement qu'on vous demande de suivre. Et puis, vous avez des enseignements d'ouverture au droit, à la psychologie, aux sciences politiques, à l'histoire économique, certains de ces cours étant optionnels. Puis, une introduction à la gestion. En deuxième année, vous avez un volume de cours assez similaire, entre 22h et 22h30 de cours ou de TD. Encore une fois, de la micro et de la macro, plus avancée. Un cours d'analyse économique des enjeux de demain, des cours de mathématiques avec possibilité d'aller vers un approfondissement en option, des cours de probabilité, de statistiques inférentielles, de bases de données, de programmation, l'anglais, l'effort doit être maintenu, et puis quelques enseignements d'ouverture en démographie, en sociologie quantitative ou en théorie des nudges. Le cadre qu'on vous offre est un cadre particulier dans le sens où l'école a réussi à bénéficier de financements exceptionnels dans le cadre d'appels d'offres pour les plans d'investissement d'avenir. Donc, ces financements nous ont permis de mettre en place des innovations pédagogiques qui, au cours des années, ont été affinées et sont maintenant mises en œuvre régulièrement. Donc, il y aura des jeux d'apprentissage, il y aura des activités en petits groupes et en particulier, il y aura un contrôle continu dans chacune des matières clés de la formation. Et donc, chaque semaine, en L1 et en L2, à partir de la quatrième semaine de cours, vous aurez un devoir sur table. Un point sur la situation de pandémie liée à la COVID-19. Ces financements et cette organisation nous permettent de maintenir un temps d'interaction entre enseignants et étudiants et nous avons mis en place une organisation qui autorise une interaction présentielle pour chacun des étudiants. Ensuite, les étudiants sont accompagnés dans un travail en autonomie à travers différents outils en ligne sur la plateforme de l'école ou autre. Comme on l'a dit, à l'issue de la deuxième année, vous avez la possibilité de rentrer dans l'école sur la base de vos performances académiques en L1 et en L2. Mais vous pouvez aussi, peut-être parce que vous vous êtes rendu compte que l'économie n'était pas ce que vous souhaitiez faire sur le long terme, aller vers d'autres voies. Il y a des voies en gestion, en économie plus sociale, moins formalisée au sein de l'Université Toulouse Capitole, donc au sein de l'école de management TSM ou en AES. Et puis dans d'autres universités, vous pouvez continuer en économie ou vous pouvez aussi passer des concours pour rentrer dans des écoles de type école de gestion. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions et vous souhaitez poursuivre votre exploration des programmes de l'école, je vous invite à vous rendre sur les stands de l'école sur le site de InfoSup. Vous y trouverez des documentations et vous pourrez échanger avec un enseignant ou un étudiant par chat ou par visioconférence pour répondre à vos questions. Merci. Au revoir.